à ceux qui penseraient que c'est curieux, le refus du don du professeur Maurice Kamto par le ministre de la Santé, à moins que nous ne soyons plus des Camerounais qui suivons le mode de fonctionnement de ce gouvernement. Moi, quand j'ai été au courant ce matin qu'il y a un important don du professeur qui allait être dirigé par le comité de crise et survie Cameroun et qui devait être acheminé par le président, le conseiller Penda Ekoka vers le ministère de la Santé, j'ai du coup compris que quelque chose avant ce soir allait se passer. Et vous voyez qu'au même moment où le don est refusé, le premier ministre signe la réouverture des bars, des débits de boissons, des snack bars et des restaurants au-delà de 18 heures. Donc il y a comme une tentative de faire comprendre aux Camerounais que même si la menace du coronavirus est réelle, cette menace aujourd'hui est maîtrisée par le gouvernement parce que la participation de Maurice Kamto à la lutte contre le coronavirus vient, je dirais, comme un caillou dans la chaussure de ce régime qui n'a plus ni les moyens politiques, ni les moyens financiers, ni même les moyens, je dirais, patriotiques pour faire face. Voilà, à cette crise. Alors, on considère alors que si depuis des années nous réclamons Paul Biya à son gouvernement et que nous n'avons pas encore de suite jusqu'à présent, et que Maurice Kamto, une fois de plus, monte au créneau et veut donner sa participation à hauteur de 100 milliards dans la lutte contre le coronavirus au gouvernement à travers le projet Survie Cameroun. Alors, de manière stratégique, ce gouvernement ne pouvait pas accepter dans la mesure où il y a de cela quelques jours, Atangandji disait que l'association Survie Cameroun est une association illégale. Donc, il était de bon guère que nous comprenions qu'il y a comme une guerre ouverte directement au MRC. Pas parce que notre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, n'est pas un parti républicain, mais parce que c'est ce parti-là qui subitement a montré ses vraies intentions de se positionner comme une alternative. Alors, quand tu te positionnes comme une alternative, c'est un peu comme dans un village où tout le monde est habitué au vol jusqu'au chef du village. De facto, la place de l'homme juste, c'est en prison. Parce que si tout le monde est voleur, celui qui est juste doit vivre en prison. Si tout le monde est roublard, celui qui est sérieux doit être en prison. Si tout le monde est malhonnête, celui qui est honnête doit être en prison. Si tout le monde est médiocre, celui qui est excellent doit être en prison. Donc pour eux aujourd'hui, la lutte contre le coronavirus ne fait même pas partie des objectifs de ce gouvernement. C'est pour ça que la lutte est abandonnée entre les mains du ministre de la Santé. À lui seul, la vérité est la plus profonde est que le peuple étant au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du palais des Toudji, où Paul Biya est soit en confinement, soit déposé dans une morgue quelque part, et qui ne peut pas sortir, alors qu'autour de lui, les gens ont pour seul objectif la conservation de leurs intérêts dans les années à venir, si à jamais Paul Biya n'est pas là. Alors, la conservation du pouvoir pour eux est au-dessus du coronavirus. Et ils savent que Maurice Kamto, malheureusement, est aujourd'hui un obstacle au transfert de pouvoir de gré à gré. Alors, quand on parle du gré à gré ici, les gens pensent qu'on dit que non, Paul Biya va remettre le pouvoir à Ngongo, à Tanganyika ou à Franck Bianon. Le gré à gré, c'est cette manière d'utiliser la constitution de la République pour remettre le pouvoir à un groupe de copains afin qu'ils puissent continuer ou poursuivre la destruction de notre pays. Donc, quand on lutte contre les grés à grés, c'est parce qu'on voudrait que Paul Biya soit vivant ou pas, que la constitution soit respectée et que tous les acteurs politiques de notre pays soient appelés à participer à l'organisation d'une élection désormais libre et transparente afin que la position
du peuple soit respecté. Donc le gré à gré, c'est également la violation des règles constitutionnelles. Le gré à gré, c'est la violation du code électoral. Le gré à gré, c'est le refus du consensus dans ce même code électoral. Alors, le refus de ce don est pour eux un acte de manière indirecte, veut faire rappeler à Kamto qu'aujourd'hui, il est considéré, voilà, comme un ennemi du gouvernement, parce qu'ils aiment utiliser le terme ennemi de la République, qui n'est pas déjà vrai, parce qu'il y a une différence entre un ennemi du gouvernement et un ennemi de la République. Alors, le projet Survie Cameroun va connaître les mêmes difficultés. Vous voyez que lorsqu'on a lancé le projet Survie Cameroun, quelque chose s'est passé comme un miracle. Quelques jours seulement après, l'agence des normes et de qualité nous a sorti la norme du masque de protection, de protection que tout le monde devrait s'arrimer pour produire. Or, nous avons vu hier, même lorsque Atangandji était en train lui-même de remettre quelques seaux d'eau au nom du don du chef de l'État avec les camions de la gendarmerie autour de lui, le masque que lui-même y portait ainsi que plusieurs personnes qui l'accompagnaient n'était pas le modèle normalisé de la norme. Ça veut dire que lorsque nous avançons, et ceci je l'ai appris du professeur Maurice Kamto, il faut toujours savoir que ceux qui sont en face de nous protègent leur gagne-pain. Et il est difficile de scier le tronc d'arbre sur lequel on est assis. Il est impossible d'accepter de scier volontairement le tronc d'arbre sur lequel on est assis. C'est pour ça que ce combat, cette mobilisation, cette lutte que nous menons doit d'abord intégrer un principe de l'intelligence émotionnelle que j'appelle l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à comprendre l'intelligence émotionnelle de ton vis-à-vis. L'empathie, c'est la capacité à comprendre quels sont les moteurs qui animent les comportements de ton vis-à-vis. Et parmi ces moteurs qui animent les comportements de nos vis-à-vis, il y a l'envie effrénée de la conservation du pouvoir. Pas parce qu'eux, ils ont même encore envie de diriger le Cameroun, mais parce qu'ils ont fait tellement de mal qu'ils ont peur qu'un changement de gouvernement pourrait provoquer une chasse aux sorcières. Vous pouvez vous imaginer qu'un enfant sorti de l'école des douanes et qui se retrouve au port de nombre de douanes va construire une maison R+5 à moins de 5 ans, alors que moi, entrepreneur sur le terrain qui fructue l'argent, même pour que je construise ma maison en bille d'été au village, il a fallu que je travaille durant des années. Alors, des personnes pareilles ne peuvent pas accepter qu'il y ait transition. C'est pour ça que lorsque vous avancez, vous devez copier les mesures de Maurice Kamto. Les injures, la grossièreté, tout ça ne contribue à rien dans le développement de ce combat. Ce combat est plus stratégique. Ce combat a besoin de plus d'intelligence que de plus de force. Ce combat a besoin de plus d'intelligence que de plus d'émotion. Ce combat a besoin de plus de stratégie que de simples démarches à caractère politicien. Et vous avez vu que ceux qui disaient que le MRC est un parti mort et se font mordre la queue aujourd'hui, parce que demain tous les journaux titreront encore sur le refus du don de Maurice Kamto. Et sur le plan international, le refus de ce don témoigne du fait que nous avons l'habitude de dénoncer un ensemble de crimes et même des génocides comme ce que nous vivons aujourd'hui en région anglophone. Nous avons l'habitude de dénoncer le caractère inhumain de notre gouvernement et les partenaires de notre pays font souvent la soupe d'oreille. Mais aujourd'hui, le refus d'un kit de plus de 900 tests de coronavirus par le ministre de la Santé publique vient justifier que la position de conservation du pouvoir par le RDPC est au-dessus de la volonté pour ce même gouvernement de soigner le peuple. Il vient de décréter, le premier ministre, juste après le refus du don de Kamto, l'ouverture des bars, des snack bars, des débits de boissons. Alors, vous voyez que c'est tout de même comme ils ont créé les normes lorsqu'on a lancé la production des masques pour le projet Survie Cameroun. Et vous ne devez pas vous offusquer de regarder de telles absurdités. Vous ne devez pas vous poser la question de savoir si nous allons y arriver dans ce combat. Alors, il s'agit tout simplement d'un problème de construction d'un rapport de force entre la force alternative que conduit aujourd'hui le professeur Maurice Kamto et la force, voilà, inepte et médiocre qu'est le gouvernement. Et vous allez constater que peu sont les opposants, même ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, qui vont monter au chrono pour dénoncer cet acte
caractère irrépublicain. Peu seront ceux des nôtres, de ceux qui disent lutter pour le changement du Cameroun, de ceux qui se disent opposants, de ceux qui se disent activistes. Peu seront de ces personnes-là qui vont faire une analyse profonde et condamner avec la dernière énergie un acte aussi inhumain. Ils vont préférer faire des communiqués, tourner tout en dérisoire, faire semblant d'avoir, de n'avoir rien à dire ou du moins donner une position sans toutefois donner sa position, juste parce qu'ils ont peur également de perdre leur part de gâteau. Et quand vous allez voir ces personnes ne pas réagir après le refus du don de Maurice Kamto, vous allez comprendre désormais qui est opposant dans ce pays et avec qui Maurice Kamto peut acheminer. Parce qu'il y a comme depuis 2018, un essai par le professeur Maurice Kamto de démontrer aux yeux du peuple les qui sont du côté du peuple, les qui sont du côté du gouvernement et arnaque le peuple. C'est pour ça que vous allez voir que toutes les injustices que nous subissons, certains partis politiques d'opposition préfèrent nous appeler à respecter ce qu'ils appellent l'ordre républicain. Même si cet ordre est en violation des lois de la République, ils nous appelleront à respecter. Peut-être parce qu'ils sont au Parlement, sont des petits députés, ont de quoi manger. Peut-être parce qu'ils sont dans des conseils municipaux et gagnent des marchés publics. Or, je pense que ce combat que mène le président Maurice Kamto et qui, d'ailleurs, il nous invite à mener avec lui, est un combat qui est au-delà de nos intérêts personnels. Et quand vous regardez la façon dont le président Maurice Kamto agit, vous comprenez qu'il se positionne aujourd'hui. Je vais manger, je vais manger. Il faut me donner une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, oui. Vous comprenez aujourd'hui que le professeur se sacrifie. Parce que lui, il a son métier, c'est un avocat international, il peut gagner ses marchés, il a ses enfants qu'il a réussi à les envoyer à l'école, il a fini sa carrière, il est déjà dans la soixantaine, il a beaucoup travaillé, mais il continue à vouloir donner sa participation pour que nous autres qui sommes jeunes, que nous autres qui sommes jeunes, que nous puissions bénéficier, voilà, de ce sacrifice-là. Mais on a autour beaucoup d'autres jeunes qui préfèrent... du moins, je veux dire, on a des personnes qui donnent l'impression de développer une certaine neutralité. Or, la neutralité est une capacité de trahison, est une lâcheté. La neutralité, même, c'est un positionnement de manière indirecte du côté de l'oppresseur, parce que quelqu'un qui est neutre est une personne essentiellement traître qui attend dans la direction du vent pour mieux se positionner afin de lécher. Pour lui, l'intérêt général ne compte pas, la nation ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est que si telle personne est au pouvoir demain, je vais travailler avec lui. C'est comme ça que les neutres, ou du moins ceux qui se disent neutres, sont. Mais dans le fond, nous connaissons les qui sont neutres, les qui ne sont pas neutres, les qui sont partisans, les qui ne sont pas partisans. Et j'invite ainsi tous les AP, tous les camarades, tous les compatriotes, tous les citoyens à rester beaucoup lucides et à éviter l'imbécilisation programmée du peuple camerounais comme ce gouvernement l'a fait depuis aujourd'hui plusieurs décennies. L'imbécilisation ici consiste à demander à répondre, par exemple, quand tu poses la question à ceux qui se disent républicains, que devient le projet de l'Arcelor ou du moins de l'autoroute Douala-Yaoundé. Lui te répond comme un clochard en disant que Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Vous voyez, il y a comme une tentative de sodomisation mentale de ce peuple. Et nous invitons seulement les gens à se défaire de cette mentalité, à se défaire de cette instrumentalisation, à se défaire de cette aliénation politique et citoyenne que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Le refus du don alors du professeur Maurice Kamto est un acte. Voilà, que nous avons également observé avec beaucoup d'attention et que nous sachions que dès demain, nous avons beaucoup d'autres démarches que nous allons entreprendre pour faire comprendre à ce régime que l'intérêt supérieur du Cameroun est au-dessus de l'envie effrénée de conservation du pouvoir. Que le professeur Maurice Kamto nous envoie dans la rue, nous allons distribuer ces dons à la population camerounaise qui a plus que jamais besoin de l'assistance de son gouvernement et non besoin de savoir si Paul Biya est vivant, si Mamadou Malachi a refusé le don. On a besoin de se sauver, on a besoin des dons. Vous avez vu, on nous a annoncé, par exemple, Karim Issak Deri, par une entreprise, je pense, libanaise qui s'appelle Orca. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a jamais dit où sont ces sacs de riz. Peut-être Orca devrait préparer le riz avant d'offrir au gouvernement, parce qu'un riz préparé, le détournement allait être facile. Ça va pourrir dans la maison
ils allaient manger rapidement et distribuer le reste d'emblée. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, chers camarades, restez focus sur l'objectif qui est de renverser la vapeur afin de récupérer notre pays entre la main de ces kleptomanes qui nous dirigent depuis 1958, quand le colon était encore là, et que ce système médiocre qui n'a que fait causer pleurs et chagrins à cette population finisse par s'éradiquer. La contribution du président Maurice Kamto aujourd'hui, et d'ailleurs il le rappelle même à travers sa conférence à Montréal et dans les pays occidentaux, lorsqu'il parlait de la décolonisation de la justice internationale. Parce que les gens, quand les gens écoutent justice internationale, ils ne savent pas que la justice internationale intègre essentiellement l'économie, ou du moins le commerce international, la diplomatie et tout ce qui est encore relation entre un État et un autre. Donc quand ils parlent de la décolonisation de la justice internationale, c'est une façon de demander la décolonisation totale, voilà, des systèmes que nous avons aujourd'hui. Et quand on parle de la décolonisation, on parle de la décolonisation de notre système éducatif, on parle de la décolonisation de notre système politique, on parle de la décolonisation de notre système économique, de la décolonisation du système monétaire, de la décolonisation du modèle culturel, de la décolonisation en fait de tout ce qui constituerait l'organisation d'une société humaine. Et le professeur Kamto, subtilement, sachant bien qu'il va s'attirer une très grande foudre, et à l'intérieur, à l'international, s'il se prononçait peut-être de manière directe sur certaines questions. Mais il y a ceux qui ne connaissent pas également le professeur Maurice Kamto comme l'un des grands philosophes de ce pays. Je vous invite à aller lire un ensemble de ses œuvres, telles que L'urgence de la pensée, L'Afrique en plein monde en pleine mutation, et ainsi de suite. Il y a des œuvres qui sont des essais, ou du moins, oui, des essais politico-philosophiques qui sont même des préalables à la construction d'une véritable philosophie qui doit apporter, voilà, des solutions sur le modèle social et sociétal dans notre pays. Et cet homme a essayé de travailler de manière intellectuelle et scientifique sur toutes ces questions. Vous n'avez qu'à aller fouiller à la librairie des peuples noirs et vous trouverez un ensemble de ces livres-là qui vous donneront d'amples informations sur le monsieur. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup plus besoin de cette décolonisation-là, beaucoup plus besoin de cette organisation-là, et c'est pourquoi je vous invite à beaucoup de courage, à beaucoup de détermination, à beaucoup d'abnégation, et surtout au thème que nous utilisons généralement dans notre jargon, la résistance. On va vous dire que non, vous n'êtes pas républicain, vous êtes taliban, vous êtes terroriste. Mais comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, dans un village de voleurs, la place de l'homme juste est en prison. Dans un village de sots, la place de l'homme sage est en prison. Dans un village de médiocres, la place de l'homme excellent est en prison. Donc c'est comme ça que les sociétés humaines s'organisent. Et tout n'est que le tout n'est que combat. Tout n'est que combat du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup et bon courage chez AP. Je vous ai dit ce que je suis en train de dire. Je vous aime bien. Je vous encourage dans ce combat. Faisons confiance au professeur Maurice Kamto. Il nous tend la main. Ne refusons pas sa main tendue. Ensemble, sauvons le Cameroun. Je vous dis merci. Restons focus. Restons courageux. Restons déterminés. Ayons de l'engagement, ayons de l'abnégation, ayons de la détermination, soyons animés, voilà, pas beaucoup d'humanisme, pas beaucoup d'altruisme, pas beaucoup de volonté d'aider, d'accompagner, de sauver, d'aimer, parce que rien n'est au-dessus de l'amour, rien n'est au-dessus de l'amour pour sa nation, rien n'est au-dessus de l'amour pour son peuple, rien n'est au-dessus de l'amour pour les siens. C'est l'amour qui fonde. Voilà, c'est l'amour qui fonde, je dirais, tout ce qui constitue comme vertu dans la société humaine. Et c'est la haine qui construit tous les vices de la société humaine. De manière courageuse, affrontons le destin de notre pays. Allons lire les œuvres scientifiques du professeur Kamto, écrites sur le Cameroun, écrites sur l'Afrique, écrites sur la justice. Armons-nous de beaucoup de connaissances, armons-nous de beaucoup de savoir, armons-nous de l'histoire de notre pays et de notre continent, armons-nous
voilà, de beaucoup de livres. Lisons beaucoup, apprenons des grands frères, apprenons des aînés, apprenons de ceux qui nous ont précédés et sachons qu'on ne peut pas décoloniser une nation, on ne peut pas décoloniser un peuple, on ne peut pas se libérer d'une dictature si on n'est pas intellectuellement armé, si on n'est pas stratégiquement armé, si on n'est pas informationnellement armé. Chers frères et sœurs de la Révolution, restons focus. Je vous aime bien.